Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de littérature aujourd'hui avec un livre à l'honneur. Le livre, il est signé Jennifer Richard. Il s'appelle « Il est à toi, ce beau pays ». On en parle donc aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Christophe, merci beaucoup de m'accueillir. On va parler de votre roman, je le disais, c'est « Il est à toi, ce beau pays ». Déjà, pourquoi ce titre ? Parce que vous parlez plus d'un continent que d'un pays. Je parle de plusieurs pays qui forment en effet des continents, puisque ouais. La politique de certains pays déteint sur d'autres pays qui sont des continents qui ne sont pas forcément découpés politiquement comme aujourd'hui. Et il est à toi ce beau pays, ça peut s'appliquer à toutes les personnes qui sont impliquées dans le roman, que ce soit les indigènes en Afrique, les missionnaires qui viennent des États-Unis, les explorateurs qui viennent d'Europe. Tout le monde pense qu'il est chez lui, là où ses pieds se trouvent, et c'est plus ou moins légitime selon les personnages. Donc c'est un livre sur la colonisation ? Notamment, c'est aussi sur la ségrégation aux États-Unis et sur l'accélération de l'industrialisation en Europe. Ouais, sur les méthodes qui ont été employées. C'est ça. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce livre ? C'est un hasard. Ouais. En fait, j'ai découvert un personnage qui s'appelle Ota Benga. Tous les personnages ont existé, mais je suis rentrée grâce à ce personnage. Mais vous avez romancé ? J'ai un peu romancé, en effet, pour pouvoir faire une fresque et relier les personnages. Et Ota Benga est un pygmée qui a été capturé en Afrique, acheté en fait sur un marché aux esclaves par un missionnaire, avec l'autorisation du souverain Léopold II. Donc il y a un triangle entre l'Europe, l'Afrique et les États-Unis qui m'a semblé très intéressant. Et au départ, ça devait être une biographie d'Ota Benga. Et finalement, en découvrant l'ampleur historique et politique, je me suis lancée dans une fresque presque sans le vouloir. Ouais. Qu'est-ce que ça nous raconte à nous, en Guadeloupe ? Ça raconte le lien vraiment qu'il y a entre l'économie en Europe qui se développe, l'enrichissement d'une bourgeoisie et des grands industriels, des grandes banques en Europe, grâce aux ressources et à la main-d'œuvre des Amériques et de l'Afrique. Et donc les Caraïbes sont très sensibles à ce sujet. Pour l'instant, le thème est plus situé aux États-Unis, mais la Caraïbe comprend très bien ce thème. C'est la même chose, c'est le même dispositif politique. Ouais. C'est un dispositif, aujourd'hui, on le retrouve comment ? Alors, c'est dans notre passé historique, on l'a bien compris. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une traduction encore ? Moi, je pense que oui. Je pense que ce n'est malheureusement pas fini. Je pense que la colonisation n'est pas... C'est là, en fait, tout l'intérêt de votre livre. Exactement. Également. En fait, c'est une façon de parler de l'état actuel des choses, en parlant de l'histoire. Donc, ça vexe un peu moins. Peut-être que c'est moins direct. Ça permet aussi de ne pas s'impliquer, de faire de l'investigation complètement maintenant sur ce qui se passe. Mais en effet, les intérêts européens sont toujours en Afrique, avec la Chine qui a quand même énormément pris pied en Afrique depuis quelques années. Ça, c'est nouveau par rapport à ce qui se passe. C'est assez nouveau, ça fait une quinzaine d'années en effet, et ça prend de l'ampleur. Et la concurrence est toujours dévastatrice pour certains pays comme le Congo, la République démocratique du Congo en particulier. Vous êtes allé en Afrique de multiples reprises ? Non, je ne suis pas allé, j'ai fait que des recherches théoriques, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses, des biographies, des livres d'histoire sur cette région et sur l'histoire des États-Unis, le sud des États-Unis et l'Europe. Enfin, vraiment, j'ai fait beaucoup de recherches pour aboutir à ça. Pareil pour les États-Unis ? Oui, exactement. Je connais très bien les États-Unis puisque je suis américaine, mais je ne connais pas le sud des États-Unis et j'ai dû faire des recherches sur une période qu'on connaît très peu, qui se situe juste après la guerre de Sécession. Ouais. Et qui amène à l'instauration légale de la ségrégation. Ouais. Et vous êtes là en Guadeloupe également, parce que vous avez été retenu dans le cadre d'un projet, c'est ouais, ça ? Alors racontez-nous un petit peu tout ça. Alors c'est un projet qui est mis en place par l'ARS et la DAC, sous l'égide de Nicole Brouquin, qui est une femme. Donc l'ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé, la DAC, Direction des Affaires Culturelles. Exactement, voilà, merci de préciser. Nicole Brouquin est une femme qui chapeaute ce projet, la semaine du livre en établissement de santé en Guadeloupe. Donc pendant toute la semaine, il y a des rencontres chaque jour, dans une ville différente, dans un établissement différent. Et on va présenter avec plusieurs artistes un concept littéraire culturel avec la lecture d'un texte, de la musique et des discussions avec le public. Et votre livre, votre ouvrage a retenu l'attention parce qu'il traite de cette problématique ? Je pense, oui, parce que d'une part, en fait, moi j'ai des origines guadeloupéennes, donc j'étais tellement heureuse de venir ici pour parler de mon livre, qui en plus parle vraiment, comme je vous disais, de ce triangle Amérique au sens très large, Europe, Afrique. Oui, on est sur le continent américain. Et on est des Américains au sens très large du terme, donc je pense que ça parle énormément aux Guadeloupéens. En tout cas, j'espère que ça va leur plaire et qu'ils vont avoir envie d'aller vers ce livre et vers d'autres livres d'histoire peut-être sur cette partie. Quel accueil il a reçu
votre ouvrage? Alors, il a reçu... au plan national déjà. Au plan national, il a reçu un accueil. Alors, pour être... Il y a beaucoup d'articles. Hein, il y a beaucoup d'articles, donc ouais. Il y a eu un accueil critique vraiment très agréable. Mm. Malheureusement, le livre est, comme vous voyez, très gros. Il est très... Ah, c'est ce qu'on appelle vulgairement un pavé. C'est un pavé, c'est une fresque. C'était difficile de faire moins, avec tellement de personnages, tellement d'histoires, c'est très dense. Donc, en effet, le lecteur est un peu intimidé. Mais je les encourage tous à ne pas avoir peur et à entamer ce livre. Vous l'avez dit, hein, vous êtes américaine, hein, ouais. C'est ça, vous l'avez traduit, ce livre? Non, pas encore. Et c'est important pour vous, on imagine? J'aimerais beaucoup, parce qu'en effet, c'est même pour les États-Unis, c'est une période qui est très connue. Parce qu'ils n'ont pas le même regard que nous. Hein. Non. Non, mais en fait, parfois, ça peut être plus ou moins vexant, on a plus ou moins de recul par rapport à sa propre histoire. Les Belges, dont je parle beaucoup, ont beaucoup aimé le livre, ils ont été... transparents quant à leur histoire, je trouve, ces dernières années. Donc, ils ont fait un accueil très... vraiment à bras ouverts à ce livre. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans la préparation d'un nouvel ouvrage ou pas? Oui, alors je suis sur autre chose. Alors, racontez-nous ça. Vous n'allez pas vouloir nous le dire, c'est ça? Ah, ben si, bien sûr, je vous dis tout. C'est l'histoire d'un marchand d'armes qui a existé. Donc, pareil, ce sera un livre très politique sur l'histoire du XXe siècle et la raison, les vraies raisons des guerres. Ouais. Voilà, des profiteurs de guerre, en fait, qui mettent tout en œuvre pour que la guerre continue et fasse irruption partout où c'est possible. Donc vous avez ce besoin de mélanger l'histoire, ouais, et de dénoncer également des situations, des faits. Oui, il me semble que c'est important quand on a une tribune, quand on a l'opportunité de dire des choses, importantes qui comptent, qui peuvent changer. Ça change très peu. Un livre change très peu de choses. Mm. Mais au moins, si vous touchez une personne et qu'une personne vous dit « Ah, je ne savais pas », c'est gagné. C'est déjà une belle victoire. Ouais. C'est quoi votre cursus pour en arriver là? J'ai fait du droit. Ah, voilà, j'ai fait qui peut expliquer cela? Ce qui explique une grande rigueur et qui explique le fait que j'aime bien connaître les raisons des choses. Ouais. Et après, donc, vous vous êtes lancé dans la littérature, c'est ça? Oui. Vous avez dévié en quelque sorte. Hein. J'ai toujours voulu écrire. J'ai fait du droit parce qu'il me semblait que c'était un enseignement très rigoureux qui vous apporte vraiment le goût du travail. À force, parce qu'au début, c'est pas évident. Mais j'ai toujours voulu écrire. Dès que j'ai pu trouver un éditeur, j'ai continué. Et maintenant, je voudrais écrire de plus en plus. Je reviendrai sur l'histoire de « Il est à toi ce beau pays », parce que les personnages ne finissent pas leur histoire à la dernière page. Et j'aimerais évidemment écrire une fresque. Donc, il y aura un tome 2, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Il sera aussi épais? Voire plus. Oh là là. Peut-être pire. Et j'aimerais faire une fresque sur les Antilles un jour. Voilà, c'est ça. Je voulais en venir. On imagine qu'avec ce multiculturalisme qui vous habite, vous avez envie de parler également de la Guadeloupe, plus largement d'ailleurs, des Antilles, de la Caraïbe. Oui, les Antilles peut-être généralement, mais c'est vrai que la Guadeloupe, en particulier Marie-Galante, en fait, c'est un territoire qui m'intéresse beaucoup, qui est une terre de légende et une terre où il y a un empilement de populations et de cultures qui ont eu lieu à Marie-Galante, en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Mais je trouve que c'est très prégnant ici. Et oui, en effet, je pense... C'est dans ma liste, en tout cas. Ouais. Alors, bientôt. Comment on fait pour se procurer votre livre? On va en librairie, on le commande... Dans toutes les bonnes et les mauvaises, hein. Aussi. J'espère dans toutes les bonnes et les mauvaises librairies, en effet. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.